qui m'intéresse le plus, c'est, comme cinéaste, c'est l'intimité. Voilà, mmh. C'est plus que l'intimité, c'est l'intime en général. Je reçois maintenant le réalisateur Benoît Jacquot pour la sortie aujourd'hui en salle de Parker, après son lacanien 7e ciel et avant son oedipien École de la chair, sur nos écrans le 18 novembre prochain. Jacquot filme un Luchini freudien récitant sur scène ses pères spirituels. Bref, il analyse. Alors Benoît Jacquot, bonsoir. Alors vous, vous êtes dans le cinoche depuis toujours, vous avez commencé à 18 ans après le bac, vous étiez assistant réal. Et vous avez bossé sur Angélique et le roi. C'est le premier film sur lequel j'ai travaillé. Ouais. Ouais. Et puis bon, ça vous, voilà, vous aviez peur de perdre votre but, quoi, d'être un peu enfermé là-dedans, non? Non, pas à cause d'Angélique et le roi. Non, je me suis beaucoup amusé. Les... Oui. Et puis là, en plus, j'avais 18 ans. Bon, non, mais à force, bon, je suis devenu assistant. C'est-à-dire ouais. que j'ai fait ce boulot comme tous les assistants. je suis pas fait pour être acteur, par contre. Le fond. Et au bout d'un certain nombre d'années où on s'amuse bien, on gagne bien sa vie, on passe son temps de façon plutôt amusante, on oublie. Oui, on peut devenir un vieil assistant après. Ah, ça arrive beaucoup. Ça arrive souvent. Ça existe, oui. Ouais, ouais, c'est assez pathétique. Et là, vous avez rencontré Marguerite Duras. Ouais. Alors, vous avez été son assistant? Oui, pendant 2 ans, j'ai fait que ça. Et vous avez fait quoi avec elle comme film? J'ai fait, ça a été d'un film qui s'appelle Nathalie Granger, qui doit repasser bientôt, qui était avec Jeanne Moreau, Lucia Bose et pour une des toutes premières fois, Gérard Depardieu. Jusqu'à India Song, qui est son film le plus connu. Vous avez été choqué par le livre de Laure Adler sur le passé de Duras, qui était quelqu'un d'important pour vous. Non, pas du tout, parce que je savais tout, à vrai dire. Vous saviez l'histoire de la collaboration, c'est elle un peu qui... D'abord, elle en avait raconté beaucoup, elle en avait même fait un livre. Et puis bon, comme je la voyais beaucoup, je connaissais de près tout ça. Donc, bon, cela dit, elle a déterré des trucs qu'on ne savait pas. Mais enfin, moi, après tout, je m'en fous. Marguerite, je la pense toujours capable de tout. Oui, donc ça ne vous a pas étonné? Non, non. On m'apprendrait des choses absolument hallucinantes, j'y croirais. C'est un peu la réaction qu'ont eu des gens quand on a appris des trucs sur Mitterrand. Les gens n'étaient pas spécialement surpris parce qu'ils pensaient que Mitterrand, de toute façon, c'était... Oui, c'est une véritable bazar de toutes les turpitudes et de toutes les grâces humaines, si on peut dire. Bien, vous avez été aussi parrainé, si on peut dire, par Jacques Lacan. Vous avez dit de lui, d'ailleurs, c'est le dernier penseur en langue française. Vous avez fait sur lui un documentaire et ça vous a aidé, ces tuteurs Ça m'a aidé, ils m'ont aidé, ils m'ont pratiquement aidé. Ils m'ont aidé, je ne sais pas, psychologiquement ou artistiquement, avec toutes les guillemets qu'on veut, mais ils m'ont concrètement aidé. Ils m'ont mis... Vous avez ouvert des portes. C'est des gens qui m'aimaient bien et qui donc m'ont... Oui, m'ont... C'est bien. Voilà. C'est super. Alors, votre premier film, c'est L'Assassin musicien en 1974, et vous dites, j'ai commencé ma carrière par mon dernier film. Qu'est-ce qu'il avait, ce film? Enfin, on voit à peu près, mais... Bah, je sais pas. D'abord, moi, j'ai toujours aimé beaucoup les films en tant que spectateur ou cinéphile, si vous voulez. J'ai toujours aimé les films de vieillards, moi. Les derniers films dans des grandes œuvres. Donc, en faisant mon premier film, j'avais envie de faire quelque chose comme ces films-là. Ouais. Enfin, c'est pas que j'avais envie, c'est que j'avais le sentiment de faire quelque chose comme ça, chef-d'œuvre excepté. Ouais. Et alors, vous avez déclaré, d'ailleurs, j'ai dû attendre La Désenchantée en 90 pour renaître. Alors c'est vrai que vous êtes un peu typique dans une première époque. Hein. Vous êtes un peu typique de l'auteur des années 70, c'est-à-dire post-Nouvelle Vague. Donc c'est l'auteur un peu confidentiel, un peu compliqué, un peu littéraire. Vous aviez cette image-là. Hein. Ouais, ouais. On disait un film de Benoît Jacquot. Ouais, attention. Vous avez... ouais. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et vous avez été élevé dans la religion de l'auteur, quoi. Et alors qu'est-ce qui s'est passé avec La Désenchantée, avec Godrèche? Alors comment d'un seul coup vous avez pris conscience que le cinéma, ça se passait devant la caméra et non pas réfugié derrière? Par la force des choses, c'est-à-dire par la force de la vie courante, je ne sais pas, de ma vie à moi, je me suis converti à la religion de l'acteur, et plus spécialement de l'actrice. Oui, c'est vrai. Donc, c'est vrai. Et maintenant, tout tourne autour des actrices, quoi. Des actrices, les actrices m'ont catéchisé, pour reprendre ça, et maintenant, tout ce qui est acteur m'intéresse. Voilà. Oui. Alors, il y a eu Godrèche, donc c'était La Désenchantée, Virginie Louaïen, La Fille Seule, Guy Berlin, Le Septième Ciel, maintenant Huppert qui va sortir L'École de la chair.
Vous avez inventé, alors c'est vous qui dites ça, mais c'est bien, c'est le cinémascope en chambre. Alors c'est quoi votre théorie? C'est de filmer de très près avec des écrans très larges? Bah, ce qui m'intéresse le plus, c'est, comme cinéaste, c'est l'intimité. Voilà, mmh. C'est plus que l'intimité, c'est l'intime en général. Essayer mmh. de filmer ou de trouver ou de fabriquer de l'intime. Mmh. Et évidemment, ce qui peut être paradoxalement, mais en tout cas moi c'est ce qui m'intéresse, c'est de donner à l'intime une dimension spectaculaire. Mmh. Mmh. Concrètement, ça fait quoi? Un très gros plan en cinémascope. Non, mais vous êtes très clair, hein, ouais. quand je pense qu'on vous a pris pour un type compliqué. Alors, non, vous disiez qu'avant 1974, vous, bon, vous avez des films un peu références, c'est normal. Alors, vous êtes un MacMahonien. C'est quoi un MacMahonien? Oh là là, alors là, un MacMahonien... Expliquez-nous. C'est une salle qui existe toujours, ouais. Mais qui était, quand j'étais adolescent... C'est le MacMahon, il faut le dire, en, le haut, MacMahon, en haut des Champs-Élysées. Avenue MacMahon, près, champs, près de l'Étoile. Près de l'Étoile, mmh. en haut de l'avenue Carnot. Voilà. Ou ouais. MacMahon, ben non, MacMahon. Avenue MacMahon. Oui, avenue MacMahon, voilà. Je suis idiot. Mais c'est tout près de l'avenue Carnot. Ouais. Et cette salle était programmée par une espèce de bande de cinéphiles assez dingues qui s'intitulait les MacMahoniens et qui défendaient des films quasi uniquement américains, ouais. De très grands auteurs, quelquefois expatriés, bon c'était Fritz Lang ou Preminger voilà. ou des gens comme ça, et qui étaient plutôt considérés comme des artisans et dont ils essayaient de faire et dont ils ont fait de très grands artistes, de très grands créateurs, ce qu'étaient ces cinéastes. Alors, vous êtes cinéphile, mais vous avez dit, je ne suis pas un cinéaste cinéphile, je suis un cinéphile cinéaste. C'est-à-dire que vous essayez quand même de Non, c'est très pratique. Pratiquement, j'ai commencé par être cinéphile et je suis devenu cinéaste. Oui. Et donc, quand je suis cinéaste, c'est-à-dire quand je filme, je pense à rien d'autre qu'au film que je fais, oui. Pas au film des autres. Vous avez dit quelque chose au sujet des cinéastes. Justement, vous dites qu'il y a des cinéastes peintres, des cinéastes musiciens, des cinéastes architectes. Moi, je suis un cinéaste écrivain, par exemple. Mais on est toujours, le cinéma, quand on fait du cinéma, on est toujours ancré dans un autre domaine. Étant donc l'écriture, mais on peut venir de la peinture, on peut venir de la musique, on peut venir de l'architecture. Est-ce qu'il y a quelqu'un, pour vous, qui serait un cinéaste, qui serait ancré nulle part ailleurs? Non, j'y crois pas. Godard? Non, pas du tout. Godard, il est quelquefois peintre, quelquefois écrivain. Ouais, c'est ça, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est très protéiforme à cet égard-là. Ouais. Mais je crois que par définition, le cinéma pur n'existe pas. Il est venu après tous les autres arts. Ouais. Il a fait une histoire hyper accélérée en un siècle, on peut dire. Et donc, il pioche partout. Sa force et sa beauté. C'est des grandes théories là-dessus. Vous dites l'humanité n'a jamais vécu sans musique, elle n'a jamais vécu sans littérature ou sans peinture, mais elle a quand même vécu jusqu'à il y a 100 ans sans cinéma. Ouais. Et vous, le fait que le cinéma ait un début, je dirais, prouve qu'il peut avoir une fin. Quoi. Il y a une question, en tout cas, qui se pose, qui est à la base, à la source du cinéma, qui est ça, c'est qu'il est venu après les autres, donc il pourrait bien finir avant les autres. Oui. Voilà. Mais bon, est-ce que c'est intéressant? Moi, à mesure que j'en fais beaucoup, la question, je ne me la pose pas. J'ai dû me poser cette question à un moment où j'en faisais pas de film. Oui, et c'était en plus, c'était intéressant. C'était des conversations dans Libération avec Serge Danet qui étaient très intéressantes. Mmh. C'est des papiers très... C'était un ami proche. Oui, c'était vraiment des conversations très, très intéressantes. Le destin du cinéma, vous pensez que le cinéma est sur une pente déclinante? Aujourd'hui, je ne parle pas du vôtre, parce que vous, ça se passe plutôt bien, mais est-ce que d'une façon générale, le cinéma est sur une pente déclinante, ou ça serait simplement la salle obscure qui serait sur une pente déclinante? Non, je n'ai pas l'impression, en fait. J'ai l'impression que c'est increvable, là. Mmh. Voilà. Donc la question de la fin se pose, mais j'ai le sentiment, là, maintenant, là, ces temps-ci, que c'est increvable, et par bonheur. Vous êtes devenu drôlement plus optimiste en mûrissant? Bon, je suis pas moi. Je suis absolument ravi de faire ce que je fais. Ouais. Alors, je le fais tout le temps, donc je vais pas me mettre à dire que. Voilà. Non, parce que c'est vrai qu'à l'époque vous disiez, bon, l'avenir, c'est quelques grandes salles monumentales avec des grands prêtres pour s'occuper de tout ça. Peut-être. Oui. Eh ben, on fera des films pour ces grandes salles monumentales. Très bien. Ouais, je vois que vous avez la pêche. Ben, très bien. Je vous remercie beaucoup. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.